aujourd'hui c'est PayGatingPO et on se retrouve sur Diablo 3. Donc comme je vous l'ai dit, je vais lancer une série sur ce jeu. Et je vais juste vous présenter la série. Donc en fait, la série consiste à ce que vous choisissez un personnage dans tout ce que je vais vous montrer. Sauf le féticheur bien sûr, parce que comme j'en ai déjà un level 19, ça a rien que je fasse un deuxième. Si vous voulez, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous montre un petit gameplay de Féticheur. Alors, je vais vous dire tout de suite qui c'est qu'on peut choisir. Alors, vous pouvez choisir homme et femme, bien sûr. On va choisir dans les hommes. Vous avez le barbare. Donc ce guerrier stoïque utilise sa force physique phénoménale pour terrasser ses ennemis. Donc comme vous pouvez le voir là, il a plusieurs coups différents. Le barbare avance avec agressivité et fait pleuvoir une multitude d'attaques sur ses ennemis. Donc en gros, si vous voulez, c'est plutôt le tank, il fonce dans le tas. Après vous avez le chasseur de démons. Attendez, je vais vous montrer les deux, barbare et le chasseur de démons. Voilà. Donc les armes à distance et la maîtrise des ombres font de ce héros vengeur une incessable traque de démons. Donc je vais voir ces coups là. Donc le chasseur de démons, pour savoir qu'il utilise des pièges, enfin utilise plusieurs pièges pour pouvoir frapper. Il utilise des armes à distance. Après le moine, la moignale. Donc lui c'est surtout il tape fort et vite. Alors un guerrier sacré qui frappe plus vite que son ombre et mutile ses ennemis avec une précision meurtrière. Donc je vous laisse regarder un peu ses coups là. Bon, féticheur. Après, vous avez le sorcier. Un maître des énergies temporelles et élémentaires qui structure la création même. Vous pouvez regarder ses coups ici. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Voilà, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, et la série va bientôt commencer je pense. Voilà, bye bye.